enfin. Bon, bah alors, je vais mieux pour X raisons, je peux pas dire pourquoi, c'est un secret. Mais vous verrez bientôt, j'ai trop hâte. Là, je suis au soleil avec ma mère, à l'Orangerie, c'est un parc à côté du centre-ville de Strasbourg, gigantesque, alors vous pouvez voir, voilà. C'est magnifique, il y a une fontaine. Je sais pas si on voit, là, je vois rien du tout à ce que je filme. Mais... Et de ce que je filme, je n'aime même plus parler français. Et disons que j'ai l'impression que la psychiatrie et la psychologie se rejoignent parce que, ok, d'accord, je mange moins, donc je suis très faible et pas bien du tout physiquement. Mais dès que j'ai eu une bonne nouvelle, là, au sujet de quelque chose, encore une fois, que je ne peux pas vous dire, ben, ça m'a reboosté et c'est bon, je vais attendre ma place, je ne vais pas aller à l'autre hôpital, je ne vais pas aller aux urgences, donc tout va bien. Enfin, à peu près, voilà. Donc, je prends le soleil, voilà. Bisous. Je rajoute que j'ai trouvé, là on est assise, et ça fait des années que je cherche un trèfle à café, donc pour l'anecdote, quand j'étais à la maternelle, je disais, il y avait une copine qui arrachait plein d'herbes et de trèfles justement. J'ai arrête, il pourrait y avoir un trèfle à quatre feuilles. Donc je fouille et je rigole pas, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles. Et j'ai fait un souhait, c'était d'avoir de la magie, et d'être magicienne. Donc j'ai souhaité à un garçon qui était très beau mais qui embêtait les filles, on va dire, enfin bref. À la maternelle, hein, j'ai souhaité qu'il ait des oreilles d'âne. Et quand il est sorti des cours, enfin de l'école quoi, j'ai vu qu'il n'avait pas d'oreilles d'âne. Et j'ai dit à la pionne, j'ai dit mais pourquoi il n'a pas les oreilles d'âne, je l'ai souhaité. Et je suis magicienne, j'ai trouvé un trèfle à café. Elle dit mais non, la magie ça n'existe pas. Donc dès lors, je n'ai plus cru en la magie. Mais aujourd'hui, après 25 ans, je trouve ça. C'est un multitrèfle, c'est encore mieux. On est entouré de multitrèfles, donc c'est encore plus de bonheur. Ça veut dire qu'il y a plusieurs pousses sur une tige de trois trèfles. Donc on dirait des trèfles à quatre feuilles. Donc celui-là, je vais le garder. Ça, moi, il m'a porté bonheur aujourd'hui. Enfin, c'est la fin de la journée, voilà. Donc je le mets dans mon sac, je le garde. C'est un truc de dingue, voilà. Bisous.